le goal du FC Annecy, Jérémy Bézaé. Les Lavallois qui continuent à aller de l'avant, attention, c'est passé, c'était Fanta, face à Escalès, il triple Escalès, c'est le but du Stade Lavallois. Oh, quelle équipée d'Ervinta qui a fait extrêmement mal à cette défense du FC Bastia Borgo. Oudenstock qui trouve Isidore sur le côté gauche. Beau lancement en profondeur, effectivement, avec Isidore. Oh, le but! Oh, quel but! Quelle aspiration de Wilson Isidore, le canonnier de cette équipe du FC Bastia Borgo. Et là, c'est Jeff Grimal qui joue très haut par rapport à l'habitude. Effectivement, il y a une faute. Et le rouge qui arrive. Eh oui. Carton rouge pour Isidore cette équipe Wilson, partait tout seul au but. Boudjema pour Robinet, attention Boudjema qui triple, le pénalty incontestable après cette faute. Robinet qui s'élance, Robinet face à Escalès, oh qu'il est bien tiré ce pénalty, et 2-1 pour le Stade Lavallois grâce à ce pénalty. Il y a un gros problème de confiance de l'équipe sur les phases défensives. Attention avec ce ballon perdu d'ailleurs. Avec ce ballon perdu, ça revient dans la surface. Et 3-1 pour cette équipe. Pour cette équipe du Stade Lavallois avec ce but de Mohamed Ouada. Au bout de 2 minutes de jeu, il est passé en revue toute l'équipe grenobloise pour aller marquer un but qui avait coûté cher à Grenoble, puisque ce but-là avait quasiment offert avec la victoire. Oh, attention à cette intervention. Oh là là, Vincent, oui, c'est le rouge. C'est le rouge direct, Vincent. Ah là 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 là, pour le FC7 qui va devoir poursuivre ce match et surtout continuer les 80 prochaines minutes, réduit à 10 contre 11. Ah, c'était bien fait, ça, de la part de Banajaba. Mais ce ballon qui est directement revenu. Et puis Jessine Seba, aïe. Oui. Ce choc avec Texera, ce choc subi par Tabac. Merci. Et le rouge, et ben voilà. Un rouge partout désormais, on n'a pas hésité. Jeu dangereux sans doute, sanctionné par Monsieur Rosier pour sortir. Ralid qui va mettre ce ballon directement, oh, sur la tête. Et il va sortir sur une passe décisive, c'est incroyable. Et Fedel Toumisti qui s'offre son troisième but cette saison. Ouverture du score pour l'US Orléans. Il va demander à Soumaré et Perrin là, de... Et ben voilà, la réponse elle est là avec Gaëtan Perrin qui n'est pas en position de hors-jeu. Il a dribblé Papalardo, il ajuste et cette fois-ci la cavane est tombée sur le chien. 2-0.
Attention à cette passe mal ajustée justement. Et peut-être l'ouverture du score du SOC. Oui, ce sera donc l'ouverture du score pour la formation du Stade Olympique de Cholet. 1-0 pour les Rouges qui se rapprochent du podium grâce à cette ouverture du score. Allez, Konaté qui est pressé ici. Ballon pour Okou qui transmet à Moussaki. La bonne sortie peut-être en deux temps. Non, ce sera pénalty. Pénalty indiqué par monsieur l'arbitre. Balle d'égalisation pour l'US Boulogne, Côte d'Opale. Herman Moussaki qui s'est arrêté peut-être en deux temps. Non, l'arrêt. Attention, Eto'o, latéral droit qui dédouble maintenant le centre de Eto'o. Au poteau pour Teddy Okou. L'égalisation boulonnaise. Un but partout ici à Cholet. Boulogne revient à la marque à la 36e minute. Avec la possibilité pour ce cafouillage dans la surface. C'est le but. Le deuxième but pour Boulogne. Rien de fricache, il me semble. Ouais, sur ce cafouillage énorme. Mais on va préférer jouer derrière du côté du Mans. Et on change tout pour les Sertois avec Beg dans la surface. Qui contrôle et le pénalty. Et le pénalty pour Julien Beg. C'est parti. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Et l'ouverture du score pour le Mans. Julien Beg qui ouvre la marque ici du côté de Lyon. Et Doniza qui peut récupérer. C'est dommage, le centre de Youssouf, là, il y a peut-être mieux à faire. Doniza qui, attention, se retourne et frappe. Mais il y aura un carton pour Doniza Dimitri. Alors, si tu peux me l'expliquer celui-là. Au carton rouge. Carton rouge, car Doniza en avait déjà un. Dimitri, exclusion de Doniza. Bon, alors là. Je pense qu'il a tiré après le coup de sifflet de l'arbitre, tout simplement. Ça fait deuxième jaune réglementairement, mais c'est extrêmement dur. Gopé Fenepech qui fait l'effort, mais il est entouré de deux joueurs lyonnais. Et le carton pour Seguin ou pour Fadloun? Et le carton rouge, oh là là, pour Fadloun. Eh ben ouais, le deuxième carton jaune, et bien qui fait rouge. Bah dis donc. Alors là. Oh. Beck qui a été trouvé maintenant. Là, il y a un petit peu d'espace, ouais, Hugo. Et c'est dommage parce que sur le côté, tu l'avais vu, hein, Gopé Fenepech, il était prêt à partir. Attention parce que là, on s'est échappé avec. Oh, est-ce qu'il va y avoir un pénalty? Oh, oui, pénalty. Second pénalty du match. Allez, c'est parti pour Brahimi. Et voilà, exactement comme le but de Beg, le long du poteau. Dimitri, le deuxième but pour Le Mans. Attention, ça va devenir très compliqué. Du surnombre là dans le camp du Mans, mais on a du mal à sortir. Là, c'est fait. Voilà, Tunkara qui a été trouvé sur le côté droit. Tunkara qui a perdu le ballon rapidement. Attention, parce que Brahimi, ça va très très vite. Brahimi, il a passé son vis-à-vis, il a frappé. C'est dedans. C'est dedans pour le troisième but du Mans. Arojo qui peut quand même prendre ce ballon, jouer dans la surface de réparation. Probablement pour Arojo avec la talonnade. Arojo, allez peut-être accuser de se retourner. Et penalty face à Pierre Patron. Botella. Et Botella qui ne tremble pas. 3 buts à 1. Et peut-être que les Lyonnais vont enfin se remettre dedans. Nathan Tanard notamment, attention à ce coup franc à suivre et la déviation au premier poteau. Oh, est-ce que le ballon est rentré? Oui, le ballon est rentré. Le ballon est rentré, l'ouverture du score pour le Stade Briochin sur cette tête au premier poteau. De Montiel, récupération le long de la ligne, le centre à suivre, il y a du monde, le voici justement. Julien Boyer, il va y avoir faute, il va y avoir pénalty à suivre pour Bourg-en-Bresse. Exactement, et le pénalty à suivre, le voici, le pénalty tiré plein axe. Et ça fait un but partout entre le Stade Briochin et Bourg-en-Bresse. Après 20 minutes dans cette deuxième période, les visiteurs sont revenus dans la rencontre. Adrien Pagery qui vient proposer le relais. Maxime Blanc, attention, qui peut peut-être rentrer dans la surface. Il a été un petit peu lâche. Martin, expérience là. Attention à cette occasion parce que ça traîne dans la surface. Et peut-être l'ouverture du score pour Villefranche. Attention, ça traîne et l'ouverture du score pour Villefranche Beaujolais. On l'a senti venir avec les corners qui s'enchaînaient. J'ai pas le buteur en visuel, mais en tout cas. Josué Auré qui est définitivement transfiguré par son but. Attention à cette frappe de Garita. Quel superbe but! Le 2-0 pour Villefranche qui vient crucifier Anthony Beuve. Troisième but pour Arnold Garita. Et cette mini trêve. Il y aura pénalty. Pénalty de la fin du temps réglementaire. Motaz Zelzemi s'est frappé. C'est parfait pour Motaz Zelzemi, le joueur prêté par le RC Strasbourg.
Il y a pas mal de contestations, j'ai l'impression. Mais en tout cas, 2 buts à 1 dans cette partie.